Et bonjour tout le monde! Alors, la dernière fois, Livland ont décidé de faire l'appel. Alors, je sais plus si c'était Livland ou Caladog qui avait décidé de le faire. Aujourd'hui, on va devoir attendre encore un petit peu avant d'entrer en bataille. Mais sinon, ce que je pourrais faire, c'est de me diriger vers Omor, qui est déjà un groupe. Est-ce qu'il y a celui-là? Ouais. Il y a deux groupes, hein, donc 1243 plus 422 qui vont attaquer aux morts. Mais j'aimerais bien retrouver un petit peu quelques petits rebelles, ou alors est-ce que je m'occuperais un petit peu d'éliminer les bandits? C'est pas très intéressant, mais bon, j'aurais que ça à faire en fait, hein. Ils sont plus rapides que moi, les salauds. Ouais. Just Ah, quoique. homeless trap. Ouais, non, qu'est-ce qu'il a foutu? Ah, bah ça va. Ok. Bon, on va faire ça. Parce que là, de toute façon, ça va être trop tard. Il peut y avoir en fait des. des rebelles ennemis. On va quand même faire un petit tour là-bas. Enfin, des rebelles, oui. Des groupes qui se promènent. Sibir, je sais pas pour quelle raison est-ce que c'est sélectionné. Enfin bon, bref. Peut-être un compagnon que je voulais recruter. Peut-être. Ah bon. L'Empire méridional qui s'installe ici. Du coup. Prisonnier. Je crois qu'il n'y avait rien d'intéressant. Rien du tout. Ok. Direction aux morts. Du coup, est-ce qu'il y a une motivation pour entrer en guerre? Alors absolument rien, 0% de partout, on attend peut-être que quelqu'un... va se tenter de se choper, là il y en a encore un autre même. Plus intéressant, mais de... Ah, dans un village, on va choper. Stop Allez, c'est there. parti. Si j'envoie pas mes troupes, merci. Horsepowermen, soldiers, Alors, move! on va charger ça. Forward! Move out! Cela, ça va être bon. Riders! Ah oui. Troops! Soldiers moving! Horses! On va y aller comme Soldiers ça. moving! Ils sont pas très loin, mais il va falloir quand même que j'aille vers eux. Bon, au moins ça me fera une petite bataille. J'ai ça de gagner. Ils ont qu'un seul cavalier. Je sais pas pourquoi il est tant à distance celui-là. Il y en a un qui est à distance. Il est là. Au revoir. Le cavalier, on va se le faire aussi. Vilain. Et mais il m'a descendu autant que ça? Et là, il était pas loin de me tuer celui-là. Donc je vais me planquer. Shield wall! Arrows! Arms like the horses! Forward! Mounted attack! Hear me!
débarque. Ok. Ride at the comfort them down. Soldier of hoops, line up. En fait, en ce moment, si j'arrive à viser, bien entendu. Et lui, je sais pas qui c'est, mais il est très rapide avec son cheval. Parfait, aucune perte, aucun blessé. Et ça, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Maintenant, on va choper celui-là, la Gorgie. Si bien sûr on arrive à le rattraper, la 4,4. On est aussi à 4,4, mais j'ai l'impression de l'attraper, c'est bizarre. Who are you? J'ai l'impression qu'on va se battre. On est trop proche du village. On va se battre à l'intérieur, malheureusement. On va faire avec. Ouais, en plus, ça c'est vraiment. Aïe aïe aïe. Très boisé. C'est grave. On va faire avec. On va faire avec. Est-ce qu'il débarque? Pour le moment, ça n'a pas trop l'air. Alors on va les avancer, c'est pas un problème. Hear me! Move, move, move. Move. Tac tac tac, la cavalerie, on va la mettre ici. Et la deuxième cavalerie. On va les envoyer par là-bas derrière plutôt. Cavalry forward! Troops, get moving! Close! Move! Hear me! Move! Arrows! Move out! Thank you.
sont réglés, j'ai bon ça. Non. Ça me va bien. Super intéressant. Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? C'était de la cavalerie, mais s'il ne va pas y en avoir. Oulala, mort. On va faire un petit tour en mort. Athlétisme, qu'est-ce qu'il a gagné de bien? On s'en fout, quoique. Ouais, on s'en fout, je dirais. Il est bon à quoi? C'était ingénierie. Augmente vos dégâts de 4% avec toutes les armes de corps à corps. Les troupes dans votre formation infligent 2% de dégâts. Lorsque vous n'avez aucun bouclier ou arme à distance. Allez hop. Pas besoin d'en lire plus. Ah bah l'autre il s'est déjà échappé le vilain. Je ne l'ai plus, ok. Je pense qu'on est bon. Ah, il n'y avait personne. On a 992 000 plutôt. C'est bon, on approche du million. Regardez le vote, moi. J'ai pas fait gaffe. De toute façon, je m'en fous de cette ville. Bien trop éloignée pour moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, du coup? On va retourner à la maison. On va vérifier un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a une petite motivation de guerre, ici? Toujours pas. Bon, c'est pas grave. Il y a bien quelqu'un qui va nous déclarer la guerre. À un moment donné, ça devrait le faire quand même. Il va falloir que j'aille voir les Chiliblandes, ou alors j'aurais pu peut-être descendre par ici. La cavalerie, je sais pas ce qu'elle vaut, la cavalerie. Mais je crois qu'elle est quand même pas mal en fait, la cavalerie Empire, de l'Empire. En tout cas, ils sont bien équipés aussi. Je vais aller en chercher là-bas. Donc là, ce sont des viglas, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y en a par là-bas en bas. Enfin, il était censé y en avoir en tout cas. De cavaliers, je crois qu'il y en a un peu à droite également normalement. Si mes souvenirs sont bons, il devrait y en avoir par là-bas. Il va falloir aussi que j'améliore un petit peu pour l'influence.
juste trouver mes cavaliers là et si c'est possible. C'est que les plus là. Ah, quand même. Voilà. Bon, je perds un petit peu plus, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai des bons cavaliers. Je vais passer à Revalt. Je vais voir aussi dans les châteaux. J'ai pas vraiment amélioré les châteaux. Celui-là, par exemple. Défenseur 404. Ah ouais, ça commence à monter. Les plus grandes dépenses. C'est. Là, au château de Druimor. Combien 393, mais peut-être des meilleures troupes. Je suppose que c'est ça. On va déjà faire aussi un petit tour à Druimor. Ah, quoique, non, ici je ne construis rien. Et là, j'ai toujours pas monté, il faut que j'augmente vraiment quelque chose, je sais pas quoi. Faut que j'augmente quelque chose, c'est pas possible. Ah, les Vlandais sont en guerre contre l'Empire, je sais plus quoi, j'ai pas vu. Je peux les vérifier. Mais bon, je vais pas changer non plus. J'ai les châteaux, donc loyauté, on a plus 0,03 en ne construisant rien du tout. Parce que dès que je construis quelque chose, boum. Ça descend. Bah voilà. On va rien construire, on va laisser le château tel quel. Par contre ici, on va pouvoir continuer à faire quelque chose. Non, c'est pas ça. Donc champ de foire, après on a encore ça et ça. Champ de foire, ça c'est très bien, il reste 4 jours. On va lui mettre 10 000. Il reste plus qu'un jour. Ça augmente un petit peu ma loyauté. Ensuite garnison, non c'était atelier garnison, terrain de milice. Ouais. On va faire ça. Ok. On va voir ce qu'on peut faire ici. Est-ce que quelque chose a été amélioré récemment? Déjà, c'est quoi qui... C'était ça l'influence, donc le forum. Ensuite... Ah, loyauté... Non, ça c'était l'influence, c'est juste. On va augmenter quand même quelque chose. Ici on est à moins 0,07. Pour l'instant ça se passe bien, donc je vais rajouter aussi un petit peu d'argent. Évolution, garnison, prospérité. Tâche de colonie 0,4. Matériaux bruts trop chers. Ici on a une petite quête à faire. C'est attaché à cette ville. Ouais, d'accord, bon, le travailleur était bien gentil. Mais le château de Tirby, est-ce que j'ai amélioré quelque chose ici? À 29 jours, 19 en construction, c'est pas grand chose. Par contre, le reste, on est à fond. Bon, bah en fait, ici, voilà, on va améliorer ça et ça, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Et puis, quel était le problème également ici? Il ne devrait pas y avoir de quête, en fait, tout va bien. Bon, ok, parfait. Ici, ils sont 440. Vous avez créé une armée pour quoi là? Quelque chose qui se prépare? Toujours pas. Aucune motivation.
Pourquoi pas. Il n'y a pas de bandits vers chez moi. Donc là, je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. Bon, je pourrais tenter... on va tenter quelque chose. Je vais tenter une quête ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a besoin de recrues, là, de travailleurs. Mener à moins 6, et si je loupe, on sera à moins je ne sais combien. Donc cette fois-ci, je vais sauvegarder. Oui, ça vient de faire, mais c'est pas grave. I am at your service. Quel genre de travailleur tu as besoin? J'ai une mine près d'ici. La semaine dernière, nous avons eu un malencontreux accident. Deux travailleurs ont péri, écrasés. C'est triste, mais cette mine ne va pas s'exploiter toute seule. Le problème, c'est que personne ne veut revenir. Peut-être que si vous me trouviez quelques prisonniers. Ah, voilà. Pour vos prisonniers, vous préférez des criminels ou des prisonniers de guerre? Il faut que ce soit des criminels, des bandits, pour que je puisse agir en toute égalité. J'en ai besoin d'au moins 36. Et s'il en veut plus, oh là là, bah dis donc, bah ok. Allez, on va tenter. Il a besoin de bandits. Eh ben, ça devrait pas être un problème. Mais pour récupérer 36, il va falloir que... Ah, là-bas, il y avait 27 pillards. Ça ira plus vite, parce que 8, c'est franchement pas suffisant. J'espère qu'il y en a d'autres qui se promènent par là-bas. Exactement. Allez, chope les deux en même temps. Nickel. Ça m'en fait déjà 24. Ça peut aller vite. Est-ce qu'il y en aurait d'autres par là-haut? Je ne pense pas. C'est bien, vendeuse d'épices. Ah oui, mais en fait, c'est vrai que j'ai des caravanes aussi là. Caravane, j'en vois un. Est-ce que l'autre se porte bien? L'autre se porte pas très bien, non? L'autre s'est fait avoir. C'était elle, hein, je pense. C'était bien elle. Et du coup, elle se trouve où? Ah non, c'est pas elle. Ok. C'était elle. Exactement, elle se trouve à Rovalt. Et ben, je vais devoir aller la récupérer, la vilaine. Et reformer une caravane, encore une fois. Faut combien de temps pour finir cette quête? 17 jours, il y a 3 jours. Il reste 17 jours, c'est ça? Je pense que c'est ça, ok. Ah, il y a encore un autre là-bas de groupe. Encore, il faut que j'y chope. Mon dieu, mon dieu. Mais ils sont plus rapides que moi, les salopards. Ça, c'est à cause des prisonniers. Il me faut un gros groupe de bandits, sinon j'arriverai pas à les choper. Enfin, c'est pas grave, ils me dirigent. À 3,7, c'est lui à 3,6. Et pourtant, ils sont moins rapides que moi, apparemment. Enfin, ça dépend d'où. 4,4. Mais j'ai encore à louper cette quête, hein. J'arrive pas à les choper. Il m'en faut 34, donc ouais, ça va être compliqué là. Bien. Yeah. What do you? J'ai eu de la chance. Ça m'en fait 11, ça m'en fait 35. Et ben voilà, nickel, j'ai réussi. On peut retourner là-bas.
standard, c'était pas si compliqué. I am at your service. Tiens, 35. Ah, il en faut 36, je croyais que c'était 34. Mon dieu. Allez, il y aura bien un prisonnier ici. Voilà, parfait. Plus qu'il n'en faut. J'ai bien vu là, avec je sais plus combien de bières là. 132. Ah non, 1, ok. C'était le prix, je suppose. Variety moins 1, ok. Ok, ça c'est tout bon. Est-ce que ça améliore un petit peu ici? On verra ça tout de suite. Ah, l'exilé était là, ok. J'avais pas fait gaffe la dernière fois. Du coup. Juste pour être sûr, on est toujours à 169. D'ailleurs, on en est où du niveau 5? On a encore un petit bout à faire. Je vais en mettre un à la garnison. Je vais mettre. Ah, tiens, je vais mettre un fantassin hollandais. Ça ira bien. Elle retourne dans mon groupe. Et du coup, ah oui, je voulais voir quelque chose. On a moins 0,24, sécurité au négatif. Bon. Ok, c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, je vais devoir retourner par là-bas. Oh, dis donc, c'est que ça chauffe ici. La vendeuse d'épices est là-bas. Bah, je vais passer à Orthograde. Je crois que je prononce toujours mal, mais c'est pas grave. Pire des mers. Il y a du monde qui se promène. L'autre, il a créé une armée pour attaquer les pillards, c'est bien. En tout cas, personne ne nous déclare la guerre, là, c'est vraiment dommage. Il me faut absolument une guerre là, ça devient assez pénible. Je dirais même que je m'endors quoi. Là, je vais quand même assez loin. Hein. Il y a de la route à faire. Bon, ça a l'air de bien se passer. Du moins à peu près. Ah tiens, c'était que villageois là-bas. Il y a du monde ici.
Alors ici c'était le forgeron, le petit charpentier, yeux de serpent. Qui c'est qui tient? Je sais pas, lui peut-être. Yours is not a face I know. Ouais. C'était qui déjà? C'était elle, je crois. L'exilé. J'espère que je me suis pas planté, il me semble que c'était bien exilé. Oui, c'était bien elle, ok. Plus 500 déjà. Tant mieux. Par contre, on va juste se débarrasser un petit peu de ces troupes là. C'est sûrement pour cette raison qu'ils se sont fait avoir. Si bien sûr j'y arrive, j'ai pas de prisonniers, par contre j'ai peut-être beaucoup de poids. Voilà, j'ai 37 000. Ah bah dis donc. Bon, j'arriverai pas à échapper. Hein. Très bien, c'est pas grave. Ils sont qu'à 24. Voilà, ils sont 31. Ah voilà, là je vais peut-être pouvoir réussir à les avoir, à voir. On va voir ça. Choper les deux quand même. Non, mais c'est trop tard. Il n'y a plus qu'à se faire celui-là. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Stop there. Voilà. Mais je pourrais garder ça tout de même. Alors, on va le garder celui-là. Ok, maintenant on va retourner là-bas. On va retourner au château là-bas, on verra bien ce qu'il y a de nouveau. Ah mais je pense, c'est vrai que j'avais mis en automatique, dès que quelqu'un gagnait un niveau, c'était automatiquement... Ah oui, c'était automatiquement... Enfin les points sont mis automatiquement. Oulala, ça va plus là. Allez! Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant sur le chemin s'il vous plaît là? Pourquoi pas 300 pillards, tiens. Je les attaquerai, bien volontiers. Ça serait assez sympa. Et puis au niveau de la guerre, là, dis donc, comment ça bien faire, hein. Quand on en veut, on n'en a pas. Ah, l'Empire Occidental. Mais j'ai pas envie de dépenser. Ah oui, puis Livland aussi, c'est bien, c'est bien. On retourne là, chez à la maison, là, c'est bien. Avec Livland, ça je vais bien. Hein. Dommage, si j'avais un petit peu plus... Le clan, je sais pas quoi. Je sais pas s'ils sont foutus. Non, je pense pas. Pas encore. Allez, on continue. Où est-ce que c'en est avec Cleveland? C'est redescendu. C'est redescendu. L'occidental, là, ils sont à fond dessus.
Le champ de foire de Revalt a gagné un niveau. Ah oui, ok, oui. L'amélioration a été faite. Okay. Il me fallait un cavalier, je crois. Ouais, je vais prendre une autre cavalier. Allez, qu'on déclare la guerre ou que quelqu'un nous déclare la guerre là, ça commence à bien faire. Ça fait quand même quelques jours que j'attends. Hein. 1320 de nourriture, ça faisait suffisant, je pense. Hein. On a combien de temps là? 163 jours. On consomme quand même pas mal. Hein. On consomme quand même pas mal. J'achète un petit peu de nourriture aussi. Alors je suis quasiment certain que tout est descendu. 96 toujours. 60 pour l'Empire méridional. 86 pour les Vlandes. C'est bien, c'est bien. Ça c'est trop proche de chez moi. Les attaques. Deux trois trucs. Ensuite ici, garnison 36 jours. Bon allez, je vais essayer comme ça. Je vais pas foutre plus d'argent que ça. Je vais surtout les voir à Revalt. Et là, dis donc les bandits, il va falloir que je m'en occupe un petit peu. Toi, t'as bien raison. Taverne. Les oubliettes. Également le commerce. Je crois qu'il n'y avait rien à part ça. Et gérer la ville, du coup, on est toujours au moins 1 ici. Ça va falloir améliorer aussi. Là, par contre, on peut mettre de l'argent. Et puis... Je vais m'arrêter là pour le moment. Lui, il m'intéresse pas. Ok. Il me faut de la cavalerie. Il me semble qu'il y en avait un petit peu plus au nord. Ah bah tiens, voilà, parfait. Et puis maintenant je fais de la guerre moi. Hein. Pas tout ça, mais comment ça bien faire, et surtout contre eux. 92, c'est bien. Et j'ai pas envie de dépenser mon influence. Je vais en avoir besoin pour créer une armée après. Il y a du monde. Pas énormément, mais... Ils sont 1275 évidemment. Il y a juste à attendre. Bon allez, pourquoi pas se faire une petite arène. Ça fait longtemps. Et puis, ouais, ici pourquoi pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a gagné ici? Bon, une petite épée. Ouais. Pourquoi pas. Allez, faut pas que je me loupe. Quand même chez moi. Voilà. C'est bien parti. Ça. Ok.
merci, au revoir. Voilà, c'est foutu. Quelle honte! De quoi est-ce que j'ai l'air, moi, maintenant? Bon, c'est pas grave. Allez, je vais attendre, tout simplement, puis on va attendre... Je vais tout simplement attendre qu'Inglair se déclare, parce que ça commence à bien faire, vraiment. C'est pas possible, quoi. Allez, vous êtes motivés, les gars. Mais c'est à moi de le faire ou quoi? Bon, au pire, n'importe qui. Même si c'est pas les Vlandes, je m'en fous. Mais il me faut une guerre, là. Il y en a deux qui sont à 100%. Alors, décidez-vous, s'il vous plaît. On peut pas les inciter à faire quelque chose? Bon, je préférerais quand même les Vlandes, mais... Que je puisse un peu m'agrandir un petit peu par là. Ah bah voilà, tiens. Avec 1222, du coup, il reste plus énormément de monde. Là, j'ai pas de quoi attaquer une ville, hein. Si, quand même. Mais il faut que je prenne tout le monde, et puis ça va me coûter énormément d'influence. C'est pour ça que je peux pas me permettre... Quoique... Si je dépense 200, je suis à 88, je peux faire quelques batailles, l'influence serait en forte augmentation. Mais je pourrais créer une armée que plus tard, et là ça devient un peu compliqué. Hein. L'exilé. En athlétisme, augmente votre vitesse de déplacement de 3%, les troupes à pied dans votre groupe. Dans votre formation gagnent 5% de vitesse de déplacement, augmente votre maximum de points de vie de 5. Et les troupes à pied dans votre groupe gagnent plus 5 de vie, on va faire ça. Ça va très bien. Encore attendre. Ah bah voilà, les Vlandais déclarent la guerre aux Azeraïs. Du coup, nous on pourrait aussi leur déclarer la guerre. Je crois que je vais faire ça. Allez, je vais faire la proposition. Je dépense 200, mais bon. C'est le bon moment en fait. Comme ça, ils sont en guerre avec nous, plus les Azeraïs. Et je doute fort que les Vlandes fassent la paix tout de suite. D'ailleurs, je vais voir une chose. Est-ce que je peux me permettre... Ça, je suis 89, donc non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Hein. On va les attaquer comme ça, puis c'est tout. Allez, on va voir. Combien est-ce qu'ils sont? C'était le bon moment en tout cas. Allez, on va chercher les troupes. Les pierres, on s'en fout un peu. Donc, de toute façon, là, une autre armée vient d'être créée. Ils sont où les ennemis là? C'est pas ceux-là, ça? Non, c'est une caravane. Mon dieu. Je sais pas où ils sont. Il y a que des villageois et des caravanes, donc. On commence à bien faire. Caravane. Ah là, il y a une armée qui. Ouh là là, ouais. Ils sont quand même nombreux. Ils vont sur Marunat, celui-là. Il y a une autre armée qui est descendue. Et ça foutez-vous plein sur la gueule, vous. C'est très bien. Ils sont trop nombreux encore. Ça va pas le faire. Profitez-en les Azeraïs, profitez-en. On va remonter quand même.
complètement fou là. Ils sont 76 mais ils sont pas de chez moi donc. Alors attends, c'est quoi ce château? Rumtoyn. C'est là-bas, ok. Donc ça ne m'intéresse pas. Bon bah je déclare la guerre au moment où... Ouais, je vais tout arrêter là, ma foi. En tout cas, je sais que les autres, ils vous laissent passer sur Marunat. Voilà, il y a deux groupes. On va se les faire. On va se le faire. Ha ! Évidemment. Voilà, voilà. Ouais, mais il y a encore d'autres châteaux à eux en bas, ça va pas le faire. Ah, c'est pénible hein, de l'échapper quand même quand on n'est pas assez rapide. Il va se planquer dans ce château. Ouais, j'arriverai pas, c'est pas grave. Il faut qu'il soit un peu plus chez nous parce qu'il va se planquer à chaque fois. Ok, allez, c'est pas grave, je perds trop de temps pour rien. Est-ce qu'il a un château? Ou il y en a 600 qui débarquent. Bon, là je vais envoyer les troupes, évidemment on est trop nombreux. J'en ai perdu un, c'est pas grave. C'est pas intéressant, moi je préfère me battre moi-même là. Bon, ok, je gagne quand même des points d'influence. Attends, on va voir comment ça va se passer ici. Attaque. Ça n'a pas trop l'air, ils sont encore 550 juste en dessus. Chez moi, ils n'ont pas l'air d'attaquer. Au nord, ça les intéresse pas trop, apparemment. Là, j'aurais dû les attaquer avant. Là, ils sont trop nombreux. Mon dieu, mon dieu. Je vais voir un peu comment ça va se passer tout de même. On va se faire choper, mais bon. Pouvoir les aider, ça sert à rien. Par contre, le petit groupe là, il s'attaque aux villageois, les vilains. Allez, je vais me faire la bataille. Je vais les attaquer, ceux-là. Quand même, bande de lâches. Ah, c'est une caravane, d'accord. Ah bon, c'est pas une raison. Je trouve ça quand même très lâche. On va tout mettre aussi là. Voilà, oui. Ça va très bien. Est-ce que j'ai toujours... J'en ai toujours un. Ok. Allez, petite bataille. Soldiers! Move! Oh, man! Move! Horse! Move! Horses! Get moving! Et en plus, c'est qu'il débarque, hein. C'est qu'il débarque. Bon, la caravane, les villageois, parce qu'ils... Soldiers! Move around! Si vous voulez y aller, allez-y. Forward! Ah! Ça sert à rien. Right hand, cover it! Horse cut, limb!
coupe en plus. Je vais prendre un champion, escarmouche à monter. On va faire ça. C'était quoi déjà? Parfait. Et puis, ben, il se fait l'heure d'arrêter là. Je vais voir la chocolat. Je suis à 134 en influence. C'est pas grand chose, malheureusement. Je vais peut-être pouvoir en gagner un petit peu si je fais ça. Non, place. Commerce, ici, on n'a rien. Et puis je vais quand même aller donner ça. Voir si je peux gagner de l'influence. On va passer au château d'Aster. Lui pour l'influence. C'est toujours ça de gagner. Enfin bon bref. Du coup, Caladug, il vient de faire de former une armée. Est-ce qu'on est à... Oh, il est tout seul, bah, c'est bien. Ouh, ah ouais, il y a pas mal de monde qui ont disparu là. Quand même. Il n'y a pas assez de monde non plus, donc pour le moment ça ne sert à rien. C'est pas bien grave. Bon, je sauvegarde ici et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La guerre contre Cleveland vient juste de reprendre grâce à moi, parce qu'évidemment, on a dû déclarer, enfin motiver un petit peu les autres justement à voter pour déclarer la guerre. Les Cleveland par contre sont quand même. Ils ont 7 villes, 10 châteaux. En fait, on est pareil. Nombre de villes, nombre de châteaux. Prisonniers. Ils en ont beaucoup. De chez nous. 15, c'est quand même pas rien. En troupes, enfin en puissance, ils sont un petit peu plus nombreux que nous. Allez, à moi de faire le travail quand même. C'est sauvegardé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!